Le cours du Bitcoin a franchi pour la première fois ce jeudi la barre des 7 000 $. Un résultat incroyable pour la crypto-monnaie qui valait encore moins de 5 000 $ le mois dernier et qui s'est apprécié de plus de 600% depuis le début de l'année. Créé en février 2009, le Bitcoin reste tout de même confronté à un obstacle majeur. Le Bitcoin a un problème. Il est toujours difficile de s'en servir. Il est difficile d'acheter des choses avec, comparé au liquide aux cartes de crédit. Et il est aussi difficile de vendre des choses avec. Et ce, même s'il est accepté comme moyen de paiement par un nombre croissant de commerçants. La monnaie virtuelle suscite malgré tout un flot de critiques entre ceux qui y voient une bulle spéculative et ceux qui y voient un moyen facilité de blanchir de l'argent.